have to live your life, brother. Remember this. Alors, ma première collaboration avec Tikenja, ça a été la rencontre pour moi avec un grand frère musical, au niveau de l'éthique aussi, parce que pour moi, Tikenja, c'est à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup des artistes engagés comme lui, et donc c'est un respect maximum. Et ça s'est fait de manière un peu, où je vais retenir cette histoire, c'est que moi je le connaissais déjà scéniquement parlant, et lui il préparait son nouvel album avec Universal, et ils nous ont contactés pour savoir si on pourrait être intéressé pour une collaboration avec Tikenja, et quand ils nous ont envoyé le morceau, que j'ai entendu le morceau, j'ai dit ben banco, mais direct, déjà avant même d'entendre le morceau, j'étais déjà chaud. Quand j'ai entendu le morceau, j'ai sauté dessus, quoi. Et je pense que ça s'entend, j'ai vraiment sauté dessus. J'étais content de le faire, ce morceau. J'étais content de le faire. En plus, j'ai eu un très beau cadeau après, qui a été qu'on fasse le clip direct dans la foulée, donc qu'on parte justement en Afrique pour pouvoir le faire. Et partir avec Tiken là-bas, ça a été mémorable. Hey yo, the rhythm master, Tiken Jah, fuck all it, alongside.